Question principale. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, la laïcité est un enjeu important qui nécessite de la cohérence. Au Québec, on finance très généreusement les écoles privées. Il y en a 165 au Québec qui sont rappelées financées par l'État. 50 de ces écoles ont une vocation religieuse explicite. La foi est au cœur du projet éducatif, ce qui va à l'encontre de la laïcité de l'État. Le but premier de la loi 21 était d'atteindre la neutralité de l'État en matière religieuse. Or, comment le gouvernement peut-il prétendre atteindre cet objectif s'il continue de financer des écoles religieuses qui sont de plusieurs confessions, chrétiennes, juives et musulmanes? Si on est vraiment sérieux en matière de laïcité, pourquoi on financerait les écoles dont le fondement du projet éducatif est l'enseignement de la foi? Est-ce que c'est le rôle d'un État laïque d'utiliser des fonds publics pour financer l'enseignement de dogmes religieux? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je suis surpris de voir mon collègue qui veut rouvrir déjà la loi 21. C'est une loi qui nous a fait avancer énormément sur le principe de la laïcité de l'État. Je pense que c'est important, le port des signes religieux pour les personnes en autorité. Il y a des gens ici qui n'étaient pas d'accord avec ça. Nous, on pense que des gens qui sont en autorité ne doivent pas porter de symboles religieux. C'est important de le faire. Mon collègue va sur une autre question, c'est-à-dire est-ce que, en plus d'enseigner 100 % du programme de formation de l'école québécoise, une école privée peut aussi enseigner des fondements de la foi, sans d'aucune façon occulter le cours d'éthique et culture religieuse qui sera bientôt remplacé par un cours de culture et citoyenneté québécoise? Est-ce qu'on peut aussi enseigner la foi? Nous, on pense que ce n'est pas un problème dans la mesure où on enseigne tout le reste. Et on est très, très vigilant à cet égard-là. On s'assure que l'ensemble du programme de formation de l'École québécoise est bien enseigné. Je m'étonne de voir mon collègue vouloir s'en prendre à plusieurs des institutions, dont certaines sont centenaires, des écoles privées qui existent depuis très, très, très longtemps. Quelles écoles, mon collègue, vont-ils fermer? Première complémentaire. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, or, il se trouve que dans le projet de loi 21, la CAQ a choisi de protéger les écoles privées, de ne pas les assujettir à la loi 21 et de protéger les écoles confessionnelles religieuses qui enseignent des dogmes qui ne sont pas en phase avec la société québécoise, qui contestent les lois québécoises, qui refusent le cours d'éthique et culture religieuse. C'est le choix qu'ils ont fait. S'ils étaient vraiment sérieux, ils auraient écouté quand on parlait des écoles privées. Finalement, je ne pense pas que c'était ni une réflexion ni une conviction, la laïcité. Ça m'apparaît un calcul, puis je viens d'en avoir la démonstration. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le collègue, Monsieur le Président, on prête des intentions comme si on n'était pas des gens qui suivaient leurs valeurs. Oui, on est des gens qui suivons nos valeurs. Puis on y tient à cette loi 21. C'est une avancée extrêmement importante. Il fallait du courage pour faire avancer ce dossier-là. Puis on le fait. On en est extrêmement fiers. Maintenant, je pense que c'est important de le rappeler, nos écoles doivent toutes enseigner 100 % du programme de formation de l'École québécoise, y compris les sciences, y compris, en fait, tout ce qui pourrait même parfois heurter certaines confessions. Ça doit être enseigné partout dans le réseau scolaire. Je répète ma question à mon collègue. Quelles écoles faut-il faire fermer? Deuxième complémentaire, M. le député de Matane-Matapédia. M. le Président, le grand sociologue Guy Rocher nous a dit que le processus de laïcisation ne sera pas complété tant que la loi 21 ne sera pas étendue aux écoles privées religieuses subventionnées. Toutes ces écoles, les 50 que vous protégez parce que vous avez peur de la réaction. Si vous êtes vraiment laïque, posez des gestes, pas juste pour une élection, par conviction réelle à l'égard de l'État. Je vous demande de vous adresser toujours à la présidence une règle de base, Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, mon collègue pense qu'on pose des gestes seulement par calcul ou par peur. Je pense qu'il y a de la projection. Ça lui appartient. Ça lui appartient. On peut aussi poser des gestes par conviction et par respect. Et c'est ce qui nous guide, nos convictions et le respect des Québécois. Pourquoi fait-il de la projection en disant qu'on prendrait seulement des décisions par peur ou par calcul? Ça lui appartient. Je le laisse avec ses choix.